l'impression de ne pas connaître la politique de notre pays. Oui. Vous avez parlé, laisse-moi parler, c'est ça la démocratie. Il faudrait que je puisse m'exprimer. La seule personne qui a aidé Yatchichi à s'exprimer au Katanga, c'est moi et ma télévision. Merci à tous d'être venus nombreux. S'il vous plaît, il y a beaucoup ici qui passent leur temps à nous faire miroiter des choses. Qu'on va libérer le Congo. D'autres, c'est sur des radios. Entre-temps, ce n'est que des vendeurs de rêves et d'illusions. Nous n'avons pas besoin de rêves. Nous avons besoin de l'unité de tous les Congolais parce que celui-là qui est en face, il est très fort. Il a l'argent, il a l'armée. Si vous croyez que ce n'est qu'en nous faisant rêver qu'on va libérer, on sera avec Kabila jusqu'en 2035. Nous devons nous unir maintenant. Ces gens-là, moi je suis dans le combat. Combien d'entre nous, de nos frères là, sont devenus aujourd'hui les combattants de Kabila? Infiltrés, qui sont là pour donner des infos à Kabila. Vous croyez qu'on va continuer comme ça? Pourquoi quand ils quittent le bateau là-bas pour nous rejoindre, nous devons leur faire des misères? Depuis qu'on nous a promis qu'on allait libérer le Congo, qui a libéré le Congo? On ne libère pas le Congo, on est toujours ici comme ça, à nous vendre du rêve. Oh, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Non, nous avons besoin de la force de tous les gens qui en ont marre de Kabila. Si M. Muyambo a décidé de quitter Kabila, moi je l'encourage. Moi je suis contre les gens qui sont dans des radios, qui vendent des livres, qui écrivent des livres stratégie, des mensonges, des cacahuètes, et qui sont les chefs des résistants des Makayabu, qui ne pensent qu'à nous diviser, à nous parler de haine, que tel est Mouluba, tel est Mukongo, tel est ceci, pendant ce temps-là, ils ne font rien. Et souvent, c'est ces gens-là qui étaient sous Mobutu. Et c'est ces gens-là qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Nous avons besoin de la force de tous les Congolais parce que l'ennemi en face, si des gens ici ne sont pas pour l'unité, des gens ici ne sont pas pour qu'on aille de l'avant, ils sont libres. Ici, j'ai appelé aujourd'hui pour une réunion pour ceux qui avaient des stratégies, avaient des idées. Pas pour des gens qui sont divisionnaires, qui n'ont pas d'idées, mais qui sont toujours dans des trucs claniques, séparatistes. Nous, on n'est pas là. Nous, la nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est un projet que nous avons mis sur pied avec Babi Balogouna. Nous avons mis sur pied avec Papi Tshiolenga. On a dit, nous les jeunes, pas les idées des vieux, nous les jeunes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les autres puissent adhérer? Il y a ceux qui se battent tout seuls. Hein. Il n'y a toujours pas de résultat aujourd'hui. Les années passent. Moi, j'ai vu mon père depuis tout petit. Si je m'intéresse à la politique, je l'ai vu depuis tout petit. Il luttait. Mais quel est le résultat aujourd'hui? Ils sont prétentieux, ils n'ont rien, ils n'ont ni armée, ni moyens, ni argent. Mais il faut accepter ceux qui ont les moyens. Lui, il a un aura au Katanga, plus que moi. Qui ici dans la salle peut dire qu'il a plus d'aura que M. Muyambo? Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Il est en train de faire ce travail de dire à cette population ce qu'on veut que nos leaders disent, mais souvent ne disent pas. C'est qu'ils doivent dire que Kabila, c'est fini. On en a marre de Kabila. Alors, s'il y en a d'autres qui ont d'autres idées, nous ne sommes pas là. C'était une réunion qui a commencé dans le respect, dans la paix et dans le calme. Et nous voulons que ça se termine dans le respect et dans le calme. S'il y en a qui ont d'autres idées, on a toujours dit, faites-le dans vos coins. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va gagner. C'est toujours l'unité, l'union qui fait la force. L'intitulé était « Par quelles voies et moyens nous allons nous battre pour que Kabila ne puisse pas prolonger le mandat au Congo. S'il y a moyen que nous puissions, par des actions, le faire déguerpir avant 2016 ou qu'il y ait des élections en 2016 ou que même s'il n'y a pas élection, mais qu'on le fasse partir. Donc rien n'est gagné aujourd'hui, M. Kabila a l'armée, a l'argent, a des moyens pour se maintenir à la tête du pouvoir du pays. Nous avons besoin de l'unité de tous les Congolais pour pouvoir le chasser. C'est pour ça que dans cette initiative, aujourd'hui, nous avons appelé la plupart des partis politiques
qui sont ici en Belgique. Nous avons fait appel à beaucoup d'entre eux pour que nous puissions débattre, nous mettre d'abord ensemble et essayer de partager une première d'une longue série d'autres rencontres qui auront lieu dans le futur. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de passer à attiser la haine, la xénophobie, en train de chercher le tribalisme. Et nous, la nouvelle génération, cette génération qui conscientise, nous disons non. Non à ces vieux-là qui ont échoué. Non à ces vieux-là qui attisent la haine. Nous, nous sommes cette génération qui voulons rassembler. Nous voulons l'unité. Parce que c'est avec l'amour, l'unité, que nous pourrons chasser l'ennemi qui est en face. Beaucoup de promesses de on va faire ceci, on va faire cela. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons rien vu. Alors aujourd'hui, nous allons changer de stratégie. Nous allons commencer. Si de l'autre côté du bateau, il y a des gens qui le quittent, nous allons les mettre de notre côté pour lutter avec eux, parce que c'est aussi des Congolais. Nous allons lutter avec eux pour chasser le pouvoir en place. C'est aujourd'hui, nous déplorons quand même que c'est ceux qui ont dirigé sous Mobutu, qui n'ont même pas construit des WC dans leur village, qui aujourd'hui veulent être des donneurs de leçons, soi-disant d'une certaine résistance, en attisant la haine. Nous, nous disons non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, les gens qui sont en train de croire à ce changement, qui sont en train de croire que les Congolais sont capables de se mettre ensemble, qui croient au rêve de Martin Luther King, qu'un jour, on va libérer le Congo, ils sont venus ici, ils ont afflué nombreux, parce qu'ils croient vraiment que dans l'unité, et c'est dans l'unité que nous allons libérer le Congo, et non dans la division. C'est pas quand tel à Kobundakuna, IDPS à Kobundakuna, UNC Kobundakuna, MLC Kobundakuna, n'a pas parti nyozo. C'est en se mettant tous ensemble, bah combattant bah Obundapekuna, non. Nous devons être tous ensemble échangés, parce que le Congo n'appartient à personne. Le Congo appartient aux Congolais et à tous les Congolais. Et vous pensez que la graine est apportée? La graine ne peut pas porter comme ça directement. Je crois que la majorité ont compris le message, mais il faut toujours expliquer, parce que je comprends aussi nos frères et nos sœurs qui peuvent avoir de la réticence en disant qui ne vous dit pas que Bao Yohana, Batindi Biso, que Baza va infiltrer. Si on continue à vivre dans la paranoïa, nous n'avancerons pas. Nous avons besoin à un moment de nous mettre ensemble. Nous n'avons aucun secret à partager ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que Atasogi Baye Awa, quel est le secret à partager? Ce n'est que dans l'unité, dans la force, en battant le pavé que Togotia et Libanda. Ce n'est pas à 8000 km que nous allons libérer le Congo. C'est avec des acteurs comme les Muyambo qui sont au Katanga, qui parlent à cette population du Katanga, qui est écoutée par cette population du Katanga, que les choses vont changer. Nous n'avons pas que M. Muyambo, nous avons plusieurs partenariats. Nous avons les M. Fayoulou qui font du très bon boulot là-bas à Kinshasa, et nous devons encourager. Si quelqu'un a la solution miracle, personne ne l'empêche de libérer le Congo. Mais en attendant qu'on arrête de venir faire rêver le peuple congolais que Bissonde, Toza Boye, Tozo Salaboye, 10e colonne Ezoya, Batika Kokotsa Batu, colonne Mokote Ezoya, Batika Kosalaba livre Moro ya Lokuta, et si Kaba Ochaka Babilo Koyo Balokoti na internet, Togo libérer Congo na Lokuta te, mais na vérité. Merci. Monsieur Jean-Claude Muyambo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Bruxelles, vous venez de vous adresser à un grand nombre de compatriotes et surtout des combattants. Est-ce qu'on peut connaître la quintessence de votre communication? Je pense que j'ai été clair. J'ai demandé à la communauté congolaise de nous aider, puisque ce qui est vrai, c'est que nous voulons qu'il n'y ait pas la révision constitutionnelle, qu'il n'y ait pas de deux, qu'on puisse installer l'ONIP, c'est-à-dire l'Office national d'identification de la population. Et de trois, c'est que nous voulons qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Et enfin, nous voulons que la CENI puisse publier les calendriers global. C'est ce qui est très important pour nous. Et ce que les autres sont en train de faire ici, nos concitoyens, bon, qu'on les appelle combattants ou pas, moi je pense combattants, il y en a ici, il y en a aussi au pays, mais notre objectif à tous, ce que nous voulons, c'est la démocratie. Voilà, c'est ça l'essence même de ma visite.
Vous avez été dans le camp de la majorité présidentielle, vous l'avez quitté. Et ceux qui sont restés, qui étaient avec vous, d'après vous, ils sont restés par conviction ou bien par intérêt? Bon, je pense que ceux qui sont restés, ils savent pourquoi ils sont restés. Mais ce qui me réjouit, par contre, quand je disais que les Katanga étaient contre la révision constitutionnelle, personne ne me croyait. Il y a eu une réunion du 9 au 10 au ranch du général Olenga vers Ndjili. Mais c'est pratiquement tous les Katangais qui ont dit « Niet, ils ne peuvent pas réviser la constitution ». C'est pour vous dire que la suite, vous comprenez. Et quand vous rentrerez au pays, vous allez enfoncer le clou? Non. Mon problème n'est pas d'enfoncer les clous. Mon problème, c'est d'éduquer notre population. C'est pour leur dire, il y a un temps pour dire oui, il y a un temps pour dire non. Bien, monsieur Muyambo, si vous avez un dernier mot, vous pouvez le donner. Non, moi, par contre, je vous remercie. Je vous remercie pour le travail que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement nous qui sommes au pays pour ce qu'on est en train de faire, mais je viens de remarquer effectivement que vous êtes en train aussi de faire un travail remarquable. Et moi, je vous encourage. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit que le Congo nous appartient tous. Monsieur Jean-Claude Muyambo, nous vous remercions. Merci beaucoup.